Bonjour, Marie Calonnet pour lamagiedesetampes.com. Aujourd'hui, je vous propose une chronique à ma façon. Ça veut dire que je me suis promenée sur le web pour trouver un modèle que j'aimais et je décide de le faire 100% Stampin' Up et à ma façon. Donc, c'est un modèle, vous allez avoir le lien, je donne toujours le crédit aux personnes que je copie, entre guillemets, parce que c'est important pour moi, puis c'est important de respecter la personne qui crée aussi. Alors, cette carte-là a accroché mon œil parce que j'aime beaucoup le brune dune, j'aime beaucoup les fleurs aussi. Et je trouvais que le mariage des fleurs avec le papier design, intégrer un papier design avec un fond étampé comme ça, c'était de toute beauté pour moi. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre pour essayer de recréer ça, puis de le faire à ma façon également. Alors, je souhaitais prendre une palette non traditionnelle. C'est quand même assez traditionnel, ici jaune, orangé, rouge, c'est très beau là, c'est pas pour enlever le crédit à la personne, mais je voulais quelque chose de peut-être plus punché. Ma première idée, ça a été d'utiliser le très beau jeu « Merci ne suffit pas », que j'aime énormément. Et vous ne l'avez pas vu beaucoup, mais j'ai bricolé énormément avec ce jeu-là parce que je m'en suis servi pour un club à distance. Donc, j'ai fait à peu près 8 modèles pour arriver à en proposer 5. Et je les montre jamais, ces modèles-là, dans mon blog. Mes perles sont gardées pour mes cours en ligne et puis mon club à distance. Donc, là, c'est un modèle aujourd'hui que je vous propose avec ce jeu-là. Et je me suis dit, comme papier imprimé, pourquoi j'irais pas chercher ici la bande avec ça? Donc, ça me donne une palette. Je me suis assurée d'avoir un rouge pour mes fleurs. Tu sais, le Copacabana ici qui n'est pas la même couleur qu'un vert pour les feuilles. Mais ça fait super original. Et au lieu d'aller prendre le brune dune, j'ai choisi sucre à la crème parce que je voulais plus de punch. Avez-vous vu comment c'est une palette qui est dynamique, qui sort de l'ordinaire? Alors, le modèle, vous l'avez vu sur les photos, ici. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que, au début, mon idée, c'était d'aller intégrer cette bande-là ici. Bien sûr, pour que ça ne tranche pas trop avec le fond qui est blanc, j'irai l'ancrer avec brune dune ou bien sucre à la crème, assez tout le contour pour aller le fondre avec ça qui fait quand même beaucoup plus... J'allais dire vieillot, c'est pas le bon terme, là, mais voyez-vous, c'est trop vif à comparer à ça. Puis finalement, j'ai changé d'idée et j'ai été étamper une bande rouge-rouge pour faire mon rappel. Et je l'ai gaufré en transparent. Donc, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Je vais la faire devant vous. Donc, j'ai changé un petit peu aussi hein, le modèle. Je me suis permis de dans le fond, de... rajouter juste ma petite boucle parce que ici, là, c'est tu donnes tellement qu'un merci ne suffit pas. Je pouvais pas juste mettre qu'un merci ne suffit pas. J'aurais pu juste écrire un merci ne suffit pas en ancrant seulement cette partie-là. Mais je tenais à voir la phrase. On peut mettre aussi tu donnes tellement à l'intérieur qu'un merci ne suffit pas. C'est une autre idée. Donc, on y va. Qui dit gaufrage à la chaleur dit embossing body. C'est mon petit compagnon de gaufrage qui m'aide à enlever la statique. Ça, ça coûte pas cher et ça va sauver beaucoup de projets si vous aimez le gaufrage. Le Versamark qui va me servir à aller ancrer ma belle grosse étampe ici. Oh, j'ai pas vérifié qu'elle était fixée. Bon. On appuie bien quand même parce qu'elle est plus grosse. Et on varie de côté pour pas que ça ait l'air du même motif qui est toujours répété. Ok. Je vais cacher ça ici. Je l'ai fait d'avance parce que je voulais sauver un petit peu de temps dans la vidéo. Là, ce que je vais faire, et tant qu'à faire, on étampe sur notre enveloppe en même temps, comme ça. Voyez-vous, c'est d'autres modèles que j'ai imprimés que je pense faire à ma façon. C'est une chronique que j'ai commencée. Je ne suis pas quelqu'un qui se promène sur les blogs créatifs, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, si vous voyez quelque chose que j'ai fait qui ressemble à quelque chose d'ailleurs,
en dehors de cette chronique-ci qui s'appelle « À ma façon », c'est le fruit du hasard. Alors, avant d'aller gaufrer, on va aller vérifier. Ici, j'ai pesé très fort et ça m'a fait un contour. Donc, on enlève la poudre. Et là, on va chauffer. Voilà ce que ça donne. Ce que je n'ai pas dit, c'est que probablement sur la carte originale, ça a été tempé en noir. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, oh, j'ai vraiment le goût d'utiliser ma poudre à gaufrer, couleur café. Et je trouve tellement que ça fait changement, ça fait joli, puis c'est plus harmonieux en quelque part avec le brume d'une que d'aller plaquer un noir, à mon avis. Quoique j'adore le résultat, si j'ai choisi la carte de cette dame, c'est parce qu'elle est très belle. Alors, on ouvre nos encres. J'ai pressé pour avoir de l'encre dans mon couvercle pour pouvoir peindre avec mon aquapainter. Et il y en a beaucoup qui disent, « Hey, un aquapainter, on ne peut pas peindre si ce n'est pas sur du papier d'aquarelle. » C'est pas vrai. Vous pouvez amplement. Le brume d'une absorbe quand même bien l'eau. C'est vraiment le murmure blanc très vanné qui sont un petit peu plus satinés, qui ont de la difficulté à... dans le fond, à accueillir l'eau. Je ne presse pas sur mon goulot d'aquapainter pour pas qu'il y ait trop d'eau. Et là, regardez comment j'y vais rapidement. Des fois, ce qui m'arrive, c'est d'aller faire quelques fleurs en même temps. Et quand mon pinceau est moins chargé d'encre, ou je peux le décharger un petit peu à côté, je viens faire une portion plus pâle, mais... Vous pourriez peindre pétale par pétale pour faire des ombrages, des lumières, mais moi, mon but ici, c'est pas ça. Je veux que ça ait un look campagnard un peu. Donc, le rouge, je m'en sers pour celle-là ici aussi. Et je vais peindre ça devant vous. Vous allez pouvoir me voir, mais je vais accélérer un petit peu. Donc, je vais tout de suite vous préciser quelques petites choses. J'ai choisi le Copacabana, comme je disais tantôt, pour le feuillage. Ça fait très, très dynamique. Vous pourriez aussi... Le sucre à la crème, c'est une couleur qui... C'est un brun qui a un peu de vert dedans. Donc, il sort un peu tranchant par rapport au brume d'une. C'est ce que je voulais. Mais si vous aimez quelque chose de plus doux, allez chercher directement le brume d'une. Ensuite de ça, sur les contours, vous avez vu, j'ai fait un petit lavis avec un petit peu d'encre sucrée à la crème très diluée et j'ai laissé de la lumière au centre. Alors, c'est ce que vous allez me voir faire en accéléré.
Alors, voilà ce que ça donne. C'est très joli. Et en même temps qu'on fait ça, on devrait également... Pardon, là, je ferme mes tampons. On a une belle étampe de coin dans ce jeu d'étampes-là. Et c'est merveilleux pour faire nos enveloppes. Donc, voyez-vous comment ça fait la différence quand je fais un petit contour? Ça prend quelques secondes. J'y vais assez fort. En plus, j'y vais dans les airs. Pas très, très... Ça fait une grosse différence. Et ce qui est le fun, c'est que vu que l'encre est absorbée rapidement par le papier qui n'est pas nécessairement le plus approprié, là, ça va très, très bien, par contre. Bien, ça fait que ça sèche très vite aussi. Donc, quand je passe par-dessus puis je touche un petit peu au vert ou au rouge, ça ne délave pas. Donc... On termine le montage. Ça va faire quelque chose de très joli, d'actuel, même si ça a un look un petit peu campagnard. En tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez. En passant, je suis très ouverte à vos commentaires. Hein. Il n'y en a pas souvent qui en laissent, mais quand vous en laissez, ça me fait vraiment plaisir. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va aller fixer notre vœu. Et... J'aime bien que ça soit, voyez-vous, je suis comme à la moitié de ma bande rouge. Et puis, ici, pour ma petite boucle, j'ai pris du ruban galon brune dune, qui est léger, qui est vaporeux, qui est très beau. J'ai été unir ça avec de la ficelle de lin et j'ai garni d'une petite perle, tout simplement. Et puis, on vient disposer ça sur notre carte. On joue un petit peu avec. Et regardez le duo que ça me donne. C'est vraiment joli. Dernière étape, parce qu'il ne faut pas l'oublier. J'ai sorti mon Smush Pritz miroitement vanillé. Je le brasse. On recommande de le brasser comme ça sur le côté et non comme ça pour éviter que ça bloque. Oui, ça arrive que ça bloque. Si ça bloque, on trempe dans l'eau bouillante. Pas bouillante, mais chaude. On le laisse tremper. Et c'est la touche finale. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Regardez-moi ça. J'en ai mis beaucoup, là, mais... Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On en mettrait sur nos rôtis le matin. Et sur mon enveloppe également. Alors, vous avez sa petite sœur ici. Où j'avais rajouté du rouge-rouge en certains motifs. J'aime plus ou moins. Dans le fond, ça fait très bien le travail quand on remplit pas. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet du jour. Et je vous souhaite une excellente journée.